La Bible dit une chose, que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. La Bible dit souvent d'abord, il y a un verset qui nous arrange, nous les chrétiens, amen, qui dit que les yeux de Dieu sont sur les justes. Amen. Là, on est content. Alléluia. Mais, il y a quelqu'un qui a été plus précis, qui a dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour faire quoi? Non, pour soutenir. Soutenir qui? Ceux qui ont les cœurs tout entiers. Dis-moi avec moi, cœur tout entier. À l'Éternel. Alléluia. Dis, Dieu soutient les justes. Mais parmi les justes, il fait encore un tri. Il soutient ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Amen. Pour soutenir ceux qui ont le cœur. Je crois qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a bien été soutenu par Dieu. Je crois que quelqu'un aujourd'hui passe par un combat. Son combat, tu as du mal à le supporter tout seul. Amen. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est parmi nous qui passe par des grandes difficultés. Tu ne sais plus où mettre la tête. Amen. Tu as essayé par tes propres forces et tu n'y arrives pas. Et tu invoques Dieu. Amen. Tu as besoin du secours de l'Éternel. Et pourtant, et tu dis, je prie, mais Dieu n'agit pas. Le problème n'est pas est-ce que tu as Dieu agi ou est capable d'agir ou pas. Est-ce que ton cœur lui est tout entier? Est-ce que ton cœur lui est tout entier? Vous savez, bien aimé, voilà pourquoi je vous invite à lire et à méditer la parole de Dieu. Alléluia. Parce que si tu as peut-être lu comme Matthieu chapitre 7, verset 7, où tu as juste entendu, demandez et vous recevrez, et tu n'as jamais lu ce passage, tu vas croire que c'est parce que je te demande qu'il va donner. Alors que même pour donner, il y a des conditions. Alléluia. Alors que pour agir, il y a des conditions. Alors que pour venir en aide, il y a des conditions. Et l'une des conditions, c'est pas seulement dire au nom de Jésus. Amen. L'une des conditions, parce qu'il y en a plusieurs, c'est que ton cœur lui soit tout entier. Voilà pourquoi la Bible dit dans le psaume 37, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi? Ton cœur lui est tout entier. Quand ton cœur lui est tout entier, il est ton délice. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur, quand on est venu le voir, et qu'on lui a demandé de nous donner les pharisiens, dit, bon, Moïse nous a donné toute une liste de commandements, toute une liste d'ordonnances, toute une liste de préceptes. Mais toi, nous voyons les miracles que Dieu fait avec toi. Nous voyons des choses extraordinaires que nous n'avons même jamais entendues avec Moïse. Parce que c'est vrai avec Moïse que la référence des pharisiens. Et Dieu a fait des grandes choses. Alléluia. Moïse a ouvert la mer rouge. Alléluia. Mais Jésus a dit non, ça c'est moi j'ai une autre dimension. J'ai pas ouvert la mer, moi je marche dessus. Oublie, c'est trop long. Moi je marche dessus directement. Alléluia. Amen. Pour montrer que lui il avait une autre dimension plus que Moïse. Alléluia. Amen. Et lui donne une clé. La clé, dis avec moi la clé des clés. Non, ne sois pas triché en train de t'aider. La clé des clés. C'est la clé des clés dans la marche avec Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. De toute ta force, ça veut dire quoi? De toute ta pensée, de tout ton âme. Alléluia. Vous savez, je vais vous annoncer une chose que j'ai compris du Seigneur. Les gens que le Seigneur viendra chercher, ce sont ceux qui réellement l'auraient aimé de tout leur cœur, de toute leur pensée, de toute leur âme et de toute leur force. C'est cela qu'il viendra chercher. Voilà pourquoi il y a un très peu de chrétiens sauvés. Quand il dit je viendrai chercher l'église, c'est cela.
C'est cela qu'il viendra chercher. C'est cela qu'il viendra chercher. Ceux qui ont aimé le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur pensée, de toute leur âme et de toute leur force. Ceux qui ne lésinent pas leur énergie pour la cause divine. C'est même quand ils sont fatigués, ils disent je vais à l'église. De toute ma force. C'est dit que la décime, la dernière force qui me reste, si elle doit finir, elle doit finir pour l'église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on appelle aimer le Seigneur de tout. C'est pas écrit. Tu l'aimeras de tout. De tout effort. Dis quand je suis fatigué. Non, je répète pour moi, pour vous. Je suis fatigué. Je sais qu'il y a culte, il y a réunion. Alléluia. Cette force, au lieu de me reposer, la dernière force que j'ai, je vais la donner à Dieu. Parce que je sais qu'en allant à la présence de Dieu, il me donnera une autre force. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de te gronder, je suis en train de t'aider. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu est amour. Toute parole qui sort d'ici est une parole d'amour. Alléluia. Amen. C'est pour que tu ne restes pas dans l'ignorance. C'est tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu nous appelle à prêcher pour vous apporter la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme qui avait deux sous de toute sa force. Jésus a dit après cela, elle mourait. Amen. Amen. Est-ce que nous aimons Dieu? Je ne dis pas d'amener l'argent, mais qu'est-ce que tu préserves dans ta vie pour ton bien-être personnel et qu'est-ce que tu donnes à Dieu concernant ta vie? Je ne parle pas d'argent. Moi, c'est la fin de la parole du Seigneur qui m'intéresse. Elle dit, après cela, elle mourait. N'est-ce pas? C'était tout ce qui lui restait. Donc, elle a donné en réalité dans ces deux pièces, dans ces deux, comment on appelle ça? Dans ces deux sous, autant pour moi, c'était toute sa vie. C'est, en fait, c'est ce que le Seigneur nous enseigne en réalité. Et d'autres ont mal interprété, amène 2 centimes. Non, elle m'a donné 2 sous, je vais à l'église, on donne les offrandes, 2 centimes, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Le problème de Jésus n'était pas les 2 sous, ce n'était pas le montant. C'est que dans ces 2 sous, c'était sa vie.